Une grand-mère de 75 ans, tueuse en série et cannibale, qui a sévi pendant une vingtaine d'années à Saint-Pétersbourg, en dehors de tout soupçon. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Les sources divergent beaucoup quant à l'enfance de Tamara Mitrofanovna Samsonova. Selon certaines, elle serait née le 5 février et selon d'autres le 25 avril. Dans les deux cas, Tamara Samsonova voit le jour en 1947 dans la ville de Oujour, en Russie. On peut lire tantôt qu'elle aurait grandi dans un foyer avec des parents alcooliques ou au contraire qu'elle a eu une enfance heureuse. Après le secondaire, elle va à l'université linguistique d'État de Moscou pour poursuivre ses études, et une fois son diplôme obtenu, dans les années 1960, elle part vivre à Saint-Pétersbourg. Elle y rencontre Alexei Samsonova, qui deviendra son compagnon puis son époux. Le couple finira par s'installer dans un appartement aux 4 rue Dimitrov en 1971. Elle sera engagée par l'agence de voyage Intourist grâce à ses capacités de traductrice et travaillera au Grand Hôtel Europe pendant une période d'à peu près 16 ans. En 2000, Alexei, son mari, ne donne plus signe de vie. Tamara Samsonova signalera alors sa disparition à la police et racontera par la suite à qui veut l'entendre qu'il était parti. Habitant seule suite à cet événement et ayant besoin d'argent, Tamara Samsonova se mettra à louer une chambre de son appartement. C'est quelques années plus tard, arrivée en mars 2015, qu'elle rencontre par l'intermédiaire d'un ami, Valentina Nikolaevna Ulanova, une voisine de 79 ans. Dans le même moment, l'appartement de Tamara devait être rénové. Valentina, qui habitait dans la même résidence, acceptera alors de loger Tamara Samsonova durant la période des travaux. La colocation entre les deux femmes se passera relativement bien, jusqu'au 22 juillet 2015. En ce jour d'été, Valentina, voyant que les rénovations touchaient à leur fin, a exprimé son souhait de voir sa nouvelle colocataire retourner chez elle. Elle lui demande alors de quitter son logement prochainement. Tamara s'opposera drastiquement à cette requête, ne pouvant se résoudre à réenvisager la vie quotidienne seule à son domicile. Elle décide alors de se rendre à Pouchkin pour se procurer des médicaments, plus précisément des phénazépam, des benzodiazépines développées dans les années 1970 en URSS et interdites dans de nombreux pays européens en raison de leur puissance. À son retour à l'appartement de son amie, elle préparera le repas, un plat très apprécié de Valentina Ulanova, à savoir une salade olivier, salade composée donc de légumes bouillis comme des pommes de terre, des petits pois, des cornichons ou encore des carottes, coupé en dés et refroidi, auquel on ajoute de la viande, comme des saucisses ou du poulet, et de la mayonnaise. Tamara Samsonova y incorpora la boîte entière de médicaments achetés plus tôt dans la journée. Elle déclarera lors d'un interrogatoire en partie retranscrit dans le journal russe Komsomolskaya Pravda « Je suis rentrée à la maison et j'ai mis tout le paquet de phénazépam, 50 pilules, dans sa salade olivier. Elle l'a beaucoup aimé. » Selon les propos de Tamara Samsonova, qui seront par la suite rapportés par Mikhail Timoshatov, enquêteur ayant travaillé sur l'affaire, c'est ce même soir, dans la nuit du 22 au 23 juillet, que Tamara, en sortant de la chambre qu'elle occupait, tombe sur le corps inerte de son hôte, à même le sol. La vieille femme prendra alors la décision de démembrer Valentina Ulanova à l'aide de deux couteaux et d'une scie qu'elle avait empruntée à des voisins quelques années auparavant,
alors même que son amie est inconsciente, mais toujours vivante. Tamara dira au sujet de cette nuit-là « Je me suis réveillée après 2h du matin, et elle était par terre. J'ai donc commencé à la couper en morceaux. C'était difficile pour moi de la porter à la salle de bain. Elle était grosse et lourde. J'ai tout fait à la cuisine, où elle était allongée. » Samsonova ne s'arrêtera pas là puisque l'on sait aujourd'hui qu'elle a fait bouillir les mains et la tête de Valentina Ulanova dans une cocotte minute sur la cuisinière de la victime elle-même. Elle empaquettera ensuite les différentes parties du corps dans des sacs poubelles afin de les disperser aux alentours de l'immeuble en toute discrétion. Elle fera des allers-retours entre l'appartement et l'extérieur pendant pas moins de 2 heures cette nuit-là. Le lendemain, une travailleuse sociale et amie de la victime signale la disparition de Valentina Ulanova après que Tamara Samsonova ne l'ait pas laissée entrer dans l'appartement de la victime. C'est finalement le 26 juillet que les sacs poubelles seront découverts par des habitants du quartier dans les alentours de la résidence, dans la verdure ou près d'un étang. Le premier voisin à être tombé sur l'un de ces sacs, 3 jours après la mise à mort de la victime, déclarera à ce sujet « Le sac était là, à côté des buissons. J'ai découvert plus tard qu'il contenait des restes humains. Je croyais que quelqu'un avait simplement jeté quelques os, peut-être de poulet, rien de plus. » Suite à ces découvertes morbides, des agents de la police de Saint-Pétersbourg se rendent sur place et constateront à leur tour la présence d'un torse de femme. La tête restera quant à elle introuvable. Natalia Fedotovskaya, voisine de l'auteur et de la victime, a déclaré que l'hypothèse favorisée par les forces de l'ordre était que la tête avait été placée dans une benne à ordures par Samsonova, ce qui rendait vain tout espoir de la retrouver. On réussit à identifier la victime le lendemain, soit le 27 juillet, et on fait très vite le rapprochement avec Tamara Samsonova. Son application dans le meurtre et le démembrement ne fait aucun doute, puisque l'on possède des images de cette nuit-là, enregistrées par les caméras de surveillance de l'immeuble. Sur ces dernières, on voit distinctement la suspecte déplacer ces mêmes sacs. On arrête donc officiellement Tamara Samsonova le 28 juillet 2015. Elle est alors mise en examen pour meurtre. Une perquisition a été demandée. Dans l'appartement, la police a alors trouvé une scie, un couteau, ainsi que des traces de sang importantes, notamment dans la salle de bain. Parmi un certain nombre de livres ésotériques et de magie noire, on mettra la main sur un journal tenu par Samsonova elle-même. Au milieu des nombreux écrits rédigés en 3 langues différentes, à savoir en allemand, en anglais et en russe, comprenant aussi bien des poèmes que des chansons, ou encore des remarques sur le quotidien telles que « Je me suis réveillée à 5h du matin » ou encore « J'ai bu du café », on pouvait lire des aveux concernant pas moins de 11 homicides. Dans ce journal était détaillé le parcours criminel de la sexagénaire
qui aurait agi en toute impunité depuis 1995, soit une période d'activité de pas moins de 20 ans. Tamara Samsonova ne se contente pas d'énumérer ses victimes, elle y décrit également son mode opératoire. Les forces de police en charge de l'affaire vont donc commencer un travail de comparaison entre les écrits de Samsonova et les cas de meurtre irrésolus où les victimes ont été démembrées dans la période donnée. Tamara Samsonova confessera le meurtre de son mari. Elle l'aurait poignardé pendant son sommeil, l'aurait démembré à l'aide d'une scie et se serait débarrassée du corps par le biais de sacs poubelles encore une fois. L'accusée avouera également s'être livrée à des actes de cannibalisme. Elle évoque aussi l'un de ses anciens colocataires, un homme de 44 ans originaire de la ville de Norilsk qui partageait son appartement vers la fin d'année 2003. Elle raconte s'être disputée avec lui, l'avoir tué et démembré avant de se débarrasser du corps en disposant les différentes parties dans des sacs poubelles pour les abandonner. Les constatations iront dans le sens de son témoignage, Tamara ayant évoqué un tatouage que la victime avait bel et bien. D'autre part, les forces de l'ordre ont retrouvé un tronc humain 12 ans plus tôt dans cette même rue dont la découpe correspondait à celle des restes de Valentina Ulanova. On trouvera la tête plus tard, mais jamais ses organes internes. Lors de la perquisition au domicile de Tamara Samsonova, on découvrira la carte de visite de l'homme en question tachée de sang. Ces éléments seront retenus comme preuve de sa culpabilité. Enfin, et parmi les éléments rendus publics, on sait que Samsonova a aussi avoué avoir tué un autre de ses locataires prénommé Volodya, courant 2006. Elle aurait également découpé le corps en plusieurs morceaux dans la salle de bain avec un couteau, avant de les disposer à nouveau dans des sacs, puis de les disperser dans le district de Frunzensky. Marina Krivenko, une voisine de Tamara, déclarera à ce sujet en interview pour un journal télé britannique: je savais qu'elle louait une chambre dans son appartement de pièces. Je savais très bien que les locataires ne restaient pas très longtemps. Un mois, peut-être deux, pas plus. Je croyais que, peut-être, ils ne l'aimaient juste pas, et qu'ils partaient. Il s'est avéré qu'ils ne sont pas du tout partis, et maintenant, elle décrit comment elle a tué tel ou tel locataire. Pour finir, dans son journal, Tamara Samsonova se confie sur ses penchants cannibales, en affirmant avoir cuit les parties de corps de la majorité de ses victimes et a indiqué particulièrement apprécier consommer les poumons. Ces informations sont plus ou moins corroborées par le comité d'enquête de la Fédération de Russie qui a indiqué que les organes internes manquaient des corps retrouvés. Samsonova sera surnommée par les médias « The Granny Reaper » ou encore « Baba Yaga ». Surnom renvoyant à une figure marquante des contes slaves, représentée comme une sorcière ou une ogresse cruelle et maigre qui mange des enfants. L'accusée expliquera son passage à l'acte sur Valentina Ulanova en disant qu'elle redoutait de se retrouver seule chez elle, qu'elle s'était sentie rejetée par son amie et qu'elle avait paniqué. Par ailleurs, au cours de l'enquête, on mettra en avant le fait que Samsonova vouait une espèce de fascination à l'égard de Andrei Chikatilo, aussi connu sous le nom du monstre de Rostov. On sait que l'accusé s'intéressait beaucoup à cet homme ainsi qu'à son mode opératoire. Andrei Romanovich Chikatilo aurait d'ailleurs habité dans le même immeuble que Tamara quelques années plus tôt et a été arrêté le 20 novembre 1990. Tueur en série et cannibale, on lui attribue une cinquantaine de victimes entre décembre 1978 et novembre 1990. C'est un tueur qui a marqué les esprits pour la violence de ses passages à l'acte. En effet, il torturait et mutilait ses victimes, comme par exemple au travers de pratiques telles que l'éventration ou encore l'énucléation, soit le fait de retirer les globes oculaires, et consommait ensuite certaines parties de leur corps, notamment la poitrine et les parties génitales. Pour ses crimes, il sera condamné à la peine de mort le 15 octobre 1992. Pour en revenir à Tamara Samsonova, il a été décidé le 29 juillet 2015 qu'elle devrait subir un examen psychiatrique, et le 26 novembre suivant, les résultats tombent. L'accusée est alors déclarée dangereuse pour elle-même et pour les autres. Elle sera par conséquent prise en charge par l'hôpital psychiatrique
de Kazan en attendant son procès. Suite à une expertise psychiatrique, on a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Tout d'abord, il faut savoir que la schizophrénie est un trouble psychotique qui se révèle généralement entre l'adolescence et l'âge adulte et qui touche environ 500 000 personnes en France. Elle se caractérise par des symptômes dits positifs, comme des idées délirantes ou des hallucinations, auditives notamment, à savoir la personne touchée va avoir tendance à entendre des voix. On observe aussi des symptômes de désorganisation qui peuvent toucher le discours, la pensée et le comportement. Pour finir, on relève également des symptômes dits négatifs ou déficitaires qui renvoient principalement à de la boulie, mais aussi à un émoussement affectif, à un isolement et à de l'anhédonie. Si on se penche un peu plus sur la psychologie de Tamara Samsonova au travers de l'analyse de ce qu'est la schizophrénie paranoïde, il est important de clarifier ce que sont les idées délirantes. Elle renvoie donc à l'adhésion d'une personne envers une croyance erronée ou irrationnelle qui s'oppose avec le réel. On parle d'évidence pour le sujet ou de conviction inébranlable. Les idées délirantes impliquent une mauvaise interprétation du monde extérieur et entraînent une altération de la perception. Dans la schizophrénie paranoïde dont est touchée Samsonova, le délire s'articule souvent autour d'idées de persécution. Le sujet croit alors qu'il est suivi, épié, harcelé ou encore trompé et que tout le monde veut lui nuire. Je précise tout de même que les différents sous-types de la schizophrénie tels que la schizophrénie paranoïde ne figurent plus dans la classification du DSM, ouvrage de référence dans le domaine de la psychologie. Cependant, bien qu'absent de la 5e édition du livre, édition en vigueur à l'heure actuelle, ce sous-type était le plus courant. D'autre part, il faut savoir que la prise en charge de ce trouble peut être difficile parce que la majorité des personnes atteintes de schizophrénie ne pensent pas être malades. Elles sont dans l'incapacité de prendre conscience de leurs conditions et ne peuvent pas accepter le trouble. C'est ce que l'on appelle l'anosognosie. Maintenant, à chaque profil que je vous présente, j'essaie de vous partager des éléments psychologiques. Néanmoins, il est extrêmement important de ne pas simplifier la réalité ou prendre des raccourcis trop hâtivement. L'explication d'un crime, la complexité de la dynamique qui sous-tend le passage à l'acte, est bien entendu irréductible à la simple présence d'un trouble. Il est impossible d'établir un lien causal entre un trouble comme la schizophrénie et le passage à l'acte criminel. L'immense majorité des personnes atteintes de cette pathologie ne tuent jamais et ne deviennent pas cannibales pour autant. J'insiste fortement sur le fait qu'il ne faille pas stigmatiser les personnes atteintes de schizophrénie ou de tout autre trouble psychologique d'ailleurs. Le procès débutera en août 2016. Tamara Samsonova adoptera une conduite discutable, profitant de ce contexte pour se mettre en scène, en applaudissant ou en riant face aux différents magistrats, par exemple. Elle soufflera même un baiser aux journalistes présents dans la salle d'audience. Lorsque le juge Roman Chebotaryov lui a demandé si elle voulait s'adresser aux personnes présentes, elle a répondu « C'est étouffant ici, puis-je sortir ?» Elle déclarera aussi « Je me préparais à cette action en justice depuis des dizaines d'années. Tout a été fait délibérément. » Nous avons très peu d'informations fiables concernant le nombre de crimes pour lesquels elle sera condamnée, ainsi que sur le lieu exact où se trouve l'accusée depuis son procès. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Tamara Samsonova a reçu une peine de réclusion criminelle à perpétuité, mais que son état mental l'a contrainte à être placée dans un établissement psychiatrique spécialisé dans lequel elle est donc encore à l'heure actuelle. Si cette affaire t'a plu, tu peux me laisser un like, t'abonner en activant les notifs et partager mes vidéos ou parler de la chaîne autour de toi pour soutenir mon travail. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prends soin de toi. Down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around.